Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais vous faire montrer comment avoir une manette, que ce soit PS4, GameCube, PS3 ou Xbox, n'importe. Regardez, là j'ai pris la PS4 en noir, donc la manette PS4 en noir, celle que j'ai. Voilà, voilà. Donc tout d'abord, donc attendez, juste l'enlever. Tac. Tout d'abord, vous allez devoir vous rendre là-dessus. Donc attendez, voilà. Parce que j'ai fait une vidéo qui a raté tout à l'heure. Donc Gamepad Viewer, comme ça. Non, Gamepad Viewer. Vous appuyez sur Gamepad. Et là, vous allez devoir connecter votre manette. Donc, soit la brancher ou quoi. Ou appuyer sur n'importe quelle touche. Tac. Moi, j'appuie sur X. Donc, voilà. On la voit pas encore, c'est normal parce qu'il faut activer Player 1. Voilà, elle est là. Tout d'abord, vous allez ici. Donc si c'est une manette Xbox, tant mieux, vous faites rien. Ou vous appuyez ici, vous pouvez l'avoir en blanc. Une manette de PS3, tac, tranquille. Voilà. Ou soit une manette de PS4 comme ça. Ou comme ça. Tac. Franchement, c'est vraiment bien fait. Mais moi, je vous conseille quand même en noir. C'est, je sais pas pourquoi, c'est plus beau. Et que, bon, faites ce que vous voulez dans tous les cas. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur les trois trucs là. Tac, vous appuyez. On va pas faire un bond, les gars. Donc, alors, je sais plus si vous... Allez, oui, générer URL. Tac. Alors, ici, c'est vraiment pas compliqué. Parce que alors, vous allez déjà vous rendre sur PAU, P-E-A-U. Ici, vous allez sélectionner la manette que vous avez prise. Moi, j'ai sélectionné manette PlayStation 4, pas en blanc, juste en noir. Là, vous avez juste à faire un clic gauche et ça fait copie. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je prends mon OBS de mon deuxième écran. Parce que oui, les gars, j'ai deux écrans. Voilà, regardez mon navigateur de... Regardez, juste le supprimer. Supprimer. Voilà, je fais un petit plus là. Le supprimer, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est moi parce que c'était mon ancienne manette. Après, ici, vous faites le petit plus ici. Ensuite, vous faites navigateur. Moi, je vais le renommer manette. Tac, vous faites OK. Et ici, vous enlevez tout ici. Vous faites clic gauche, paste. Voilà, si vous avez le truc. Et là, faites OK. Et là, vous la connectez, vous appuyez sur X, n'importe. Donc, c'est vraiment super cool. Voilà. Bon, les gars, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Du coup, c'était Ismonster pour de prochains tutos. Peace.